Allez, je vous reviens, je me suis habillée, hein. Voilà, j'étais un peu décontractée. Donc, au niveau des travaux, donc ils finissent bien aujourd'hui. Coucou à tous, alors petit arrêt sur image tout simplement parce que j'ai perdu le début du vlog numéro 14. Donc je crois que je dis à un certain moment que nous sommes le 12 avril. Donc bienvenue dans un nouveau Dit. vlog. Donc du coup, il me reste du gâteau d'anniversaire d'hier. Je leur ai dit que je leur offrais le gâteau avec un petit coca, un petit café. Donc ils m'ont dit qu'ils frapperaient la porte quand ils savent qu'ils vont bientôt partir. Donc là, ils sont tout simplement en train de nettoyer tout ce qu'ils ont mis. Ils sont en train de tout ranger, la ferraille et tout. Voilà, donc demain, je vais pouvoir dormir. Voilà, c'est cool parce qu'en plus ce soir il y a mon émission Mariée au premier regard. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas, moi par contre je kiffe. Hein. Mais genre alors je kiffe un truc de ouf. Moi il me tarde ce soir, il y a Mariée au premier regard et la première fois qu'on se rencontre où les gens sont dans un château, moi je kiffe. Voilà, donc demain je vais pouvoir dormir et du coup demain je tournerai ma vidéo parce qu'aujourd'hui j'étais pas très bien. Voilà, donc des petits soucis comme d'habitude, hein, voilà. Donc au niveau du make-up, je vous ai dit, j'ai rien fait de très très fifou. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon mascara que j'aime beaucoup. C'est le mascara de chez NARS. Le Climax, mais apparemment, il est mieux le rouge. Donc à voir, hein, quand j'aurai un peu moins de mascara, je prendrai peut-être. Donc j'ai fait mes petits points très discrets. Et au niveau du rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Et normalement, j'aime pas les glosses. J'aime pas les gloss, mais j'aime bien le gloss de chez. Je le mettrai peut-être demain, je vous montrerai Make Up Revolution en collaboration avec Tim Burton et ceux de chez Huda. Et pourtant, je n'aime pas les gloss parce que les gloss, ça colle. Ceux-là, ils ne collent pas. Alors, on sent un effet mouillé, mais je trouve que voilà, il fait très très joli. Voilà, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Voilà, et donc c'est les petits comme ça que j'avais acheté de l'édition de Noël dans les promos ou dans les. Oui? Oui? Sur les soldes. Donc celui-ci, c'est le Soukhar. Voilà, et il est comme ça. Ils sont trop beaux. Les mini suffisent largement parce que les full size, on a tendance à ne pas les terminer. Et on a tendance à plus les jeter parce que bah, ils périssent et soit. Bah, soit ils se périssent bien, soit pas du tout. Voilà. Et après, voilà, j'ai juste mis du mascara. Rien de fifou. En plus, je me suis levée la tête ce matin. Donc, du coup, j'ai un peu les cheveux un peu foufou. Et ben, j'ai mes lunettes. Hein, voilà. Donc, là, j'ai fini de convertir mon vlog. Il faut que je fasse le montage. Alors, le vlog qui va arriver ne sera pas très très long. Donc là aujourd'hui, au jour que je filme, on est le 12 avril. Donc vous aurez le vlog qui va apparaître vendredi du 23 mars au 3 avril. Oui, je suis très très en retard. Je suis désolée, il y a eu 2 week-ends où je n'ai pas pu vlogger. Un parce qu'il y avait des produits partenaires que je ne pouvais pas éditer avant. Et un autre parce que ben, j'ai profité de l'abattement. Qui nous était accordé pour partir faire Pâques en famille avec ma famille, beaux-parents et mes filles. Voilà, donc je suis un peu à la bourre au niveau des vlogs. Voilà. Donc là, je vais aller faire les colis. Donc je vais vous partager tout ça. Donc je vais faire le colis de Jessica. Oui, le colis anniversaire où je suis très à la bourre aussi. Hein, voilà, je suis un peu à la bourre partout. Voilà. Et le colis de Vinted, voilà, parce que j'avais fait un déglouteur et donc du coup j'ai tout vendu. Voilà. Il reste plus que pour ceux qui intéressent, il reste la palette néon de W7. Et il reste un make-up, un rouge à lèvres L'Oréal. Il reste deux rouges à lèvres de. J'ai un petit rototo qui est remonté. J'ai mangé à midi mes haricots. Avec de l'ail, ça remonte. J'ai les rouges à lèvres Unicorn de chez AliExpress. J'ai un anti-cendre de Kiko. Soit. Va sur mon Vinted. Voilà. Petit prix. Voilà. Et les produits sont très bien entretenus. Voilà. Là, je vais faire le colis. Je pense que je mettrai quelques échantillons à la fille parce que du coup, elle m'a tout pris. Et il y en a pour 22,80 €. Donc, du coup, ça, c'est cool. Je vais. Les garder et je pense que je vais passer une petite commande sur Make Up Revolution parce que je voudrais me commander la dernière palette qu'ils ont sortie là, avec les papillons et la base en teinte light, voilà, si long.
Voilà. Donc là, je suis contente parce que, bon, là, j'ai pas les micro-rods, mais je voudrais vous faire un retour sur le micro, parce que je les ai testés en vidéo, je vous l'ai dit ce matin. C'est une tuerie. Franchement, merci beaucoup. Donc à mes parents et à mes sœurs, hein, parce que c'est des micros qui coûtent une blinde. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, l'appareil Sony ZV-1 a un très bon micro, mais quand on est prêt comme ça. Par contre, quand on filme de loin, surtout pour les make-up, moi j'ai une table pliante et je suis assez loin de la caméra. Bon, je ne suis pas non plus à 3 mètres, mais je suis un peu loin. Et du coup, le son pour beaucoup pourrait paraître bien, mais moi qui suis très perfectionniste, j'entendais quand même quand j'écoute et fais mes montages avec mes oreillettes. Faudrait d'ailleurs que je m'achète un casque. J'entendais un pch, vous savez, et moi ça ne me convenait pas. Donc j'avais vu énormément de revues. Donc si vous avez cette caméra Sony ZV-1, je vous conseille vraiment les micro-Rode. J'avais vu une revue sur des Américains et franchement, je ne suis pas déçue. D'ailleurs, je suis très contente parce que quand je filmais avec mon téléphone, j'avais des micros Boya qui sont très très bien, mais quand on parle fort à la base, moi je parle fort, ça a tendance des fois à surprendre un petit peu au montage ou même pour vous qui les regardez. Et là, ben, ça capte en fait le son et le son est juste parfait. Voilà, donc on a ce petit récepteur en fait avec un petit clips qu'on vient clipser donc à l'envers comme ceci. Il faut qu'il soit à l'envers comme ceci. Voilà, que vous clipsez. Alors le seul petit bémol, c'est que c'est dommage, j'aurais pu avoir un petit socle pour poser quand on veut faire des vidéos make-up. Alors je vais voir, parce que j'ai pas encore testé, voir ce que ça vaut en le posant peut-être un peu loin. On va voir, mais niveau qualité son, j'ai fait la vidéo action, c'est juste une dinguerie le truc, hein, voilà. J'essaierai de vous le remettre dans ce vlog pour que vous puissiez vraiment bien percepter la différence de son. Et ensuite, de l'autre côté, donc on a le récepteur qu'on met sur la tâche de l'appareil photo qui se clipse comme ceci. Et vous avez deux boutons. Donc vous avez juste appuyé sur ce bouton ici, ça s'allume. Allumez le bouton bien sûr du micro-cravate que vous mettez ici et ensuite vous avez donc le petit câble ici que vous reliez au récepteur et que vous branchez à votre appareil photo. Il est super simple à installer, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien du tout, il n'y a pas à appuyer sur deux bouts de. Ouais, il n'y a pas de gros paramètres à faire ni sur l'appareil photo ou quoi que ce soit. Moi, il faut savoir que j'avais les micros Boya qui étaient sur mon téléphone, ne marchaient pas sur le Sony ZV-1. Voilà, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que quand je filmais, dès que je voulais visionner ce que j'avais filmé en branchant les micros, il n'y avait aucun son. Voilà, donc bien sûr, ça, je te le mettrai peut-être ou pas en barre d'infos. Je te mettrai en barre d'infos, mais je vais ouvrir ma boutique en ligne sur Amazon. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ben, c'est sur Marion Calméléon hein, que j'ai vu qu'elle avait une boutique Amazon. Et c'est vrai que ben, très souvent, j'ai des gens qui me demandent. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma boutique Amazon où je vous mettrai les micros, où je vous mettrai ce que j'ai acheté sur Amazon et que j'aime beaucoup. Ce que j'ai trouvé aussi, que peut-être j'ai pas acheté et que j'aime beaucoup. Vous faire une petite liste de souhaits, ce que j'ai commandé. Comme ça, ben, vous aurez tous les produits dessus. Voilà, il faut que je m'y attale. Je pense que je m'y attalerai cette semaine quand j'aurai pas beaucoup de boulot, que ça sera un peu plus calme. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vais faire mes colis, je vais vous montrer tout ça, et puis ensuite, bah, je vous montrerai la fin des travaux. Oui, pas totalement, hein, je vous montrerai la fin des travaux pour les maçons. Maintenant, demain, il manque les terrassiers à venir remblayer la terre, tout mettre bien à niveau. Et après, ben, je vous montrerai une fois totalement fini avec les portails électriques et tout. Voilà, parce que ça, c'est la partie de mon mari. Il faut commander les portails, il faut les recevoir et il faut tout installer. Voilà. Pour l'instant, je vous montrerai notre muret. Nous avons monté une muraille. Voilà, une fois terminé, parce que je sais pas où je m'en étais arrêtée, mais voilà, je vais vous partager tout ça dans ce vlog cette semaine. Donc voilà, colis terminé, j'ai super bien emballé. Voilà, je lui ai mis trois petits échantillons, un échantillon de chez Fresh,
un échantillon de chez Nux. Moi je l'ai. Et je lui ai mis la crème fraîche de chez Nux. Voilà. Donc je lui ai mis ça. Je vais mettre du papier Sephora dessus. Ah, je dois mettre le petit mot aussi. Et ça, c'est bon. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est pas totalement fini. En tout cas, les maçons, eux, ont terminé. Donc, voilà, ils ont tout nettoyé. Ça fait super grand! Voilà. Donc là, il est 17h30. Donc, je ne vous ai pas repris parce que j'avais rien trop à vous dire. Donc, là, vous pouvez voir que le mur est fait. Voilà. Donc, ça part comme ça. Hein, ça fait comme un petit escalier. Donc, ils ont commencé à mettre du gravier en bas parce que, bien sûr, le tas de terre qui est ici, tout demain, le terrassier va tout remettre à niveau et va tout aplatir, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas encore fini, mais au niveau des maçons, c'est terminé. Voilà. Donc là, vous voyez que il a fait le mur. Il fait froid, ça s'est rafraîchi. Là, ils ont fait donc le retour que je vous avais dit. Voilà. Et donc, ben, ça part en escalier. Voilà. Donc là. Tac, tac. Et ici, alors ici, on a donc le petit portillon qui sera ici avec caméra. Voilà. La boîte aux lettres, donc, est positionnée ici, qui est beaucoup mieux et elle risque de ne plus se casser la pirouette. Voilà. Le facteur pourra déposer des énormes colis, du moins des colis qui passent lourds. Et ensuite, donc là, on a un poteau. On a deux poteaux et donc là il y aura le gros portail ici. Donc là ils ont fini aujourd'hui, donc il a fait ça, donc il faut pas marcher dessus bien sûr. Donc demain je vous montrerai de l'autre côté, voilà, ou peut-être de suite hein, mais j'ai peur, mais non, je peux passer par là, que je suis bête, là c'est sec, je vais vous montrer de suite. Donc voilà, donc là ici il y aura le gros portail. Voilà, donc on va attendre du vent parce qu'il y a du vent. Et donc ici, ben, vous voyez, ils ont commencé à mettre les cailloux. Voilà, mais demain, ça sera plus joli. Et là, il y aura donc le petit portail. Voilà, donc je vais passer par là et je vais montrer de l'autre côté. Parce que là, comment vous dire que face route, nous sommes muraillés. Hein, voilà, donc quand on est sur la route, ça fait ça. Voilà, donc... Donc là encore c'est pas très impressionnant, mais ce qui est impressionnant effectivement c'est quand on va ici. Mais comme on est surélevé, on était obligé de monter le mur un peu plus haut, puisque de l'autre côté quand il va y avoir la terre et que tout va être remblayé, mais bien sûr qu'on est obligé de monter, autrement les petites elles pouvaient jouer sur la murette et pouvaient retomber sur la route, qui pour le coup est dangereux. Donc là il faut qu'ils finissent encore, hein. Il faut qu'ils mettent la terre et tout, partout. Et donc là, ben, vous voyez que c'est bien remblayé. Du moins, le mur, le poteau est bien fait. Et qu'ils ont fait le retour ici, au niveau du poteau. Voilà. Seule solution, c'était ça. Hein, parce que nous, on a le poteau en plein qui desserte sur notre terrain. Et voilà. Il y avait des dames qui étaient en train de marcher. Il fait froid, il fait un vent. Et donc voilà, donc c'est sûr que la face route, ça fait un peu impressionnant comme ça. Mais comme je vous ai dit, on n'avait pas le choix parce que si on laissait le mur comme ça, ben en fait les petites avec la terre, quand tout va être remblayé, ben voilà, elle aurait pu se pencher sur la murette, ou même les enfants que je garde se pencher sur la murette et tomber sur la route, effectivement, là ça devient dangereux. Voilà, donc vous verrez tout ça quand tout sera remblayé. C'est pas fini parce que bien sûr il manque à mettre les chapeaux. Et puis après, bon, il manque à mettre bien sûr les portails qu'il faudra totalement fermer. Donc ce qui fait que nous, on sera fermé maintenant. Voilà. Donc on aura le portail ici.
devant. Donc les gens s'en auront ici. Et puis après, nous, on aura donc devant le garage qui restera donc ouvert comme ça. Voilà. Qui permettra donc de ranger nos véhicules. Et puis ici, donc on aura le grand portail ici. Donc tout sera fermé. Voilà. Et on compte donc faire une extension. Relier l'extension ici là. Voilà. Donc on est en train de faire des plans, des croquis. Du moins le mari fait des plans, des croquis. Donc voilà, ça c'est à voir, à faire. Puisque tout ça, ben, coûte des pépettes. Hein, voilà, ça coûte des sous. Voilà pour les travaux. Écoutez, il est... Quelle heure il est? Il est bientôt 16h et j'ai commencé, il était 2h30 la vidéo. J'espère que les rushs sont bons, que j'ai bien appuyé sur le bouton et j'ai mes micros qui sont branchés. On va bien voir ce que ça vaut. Hein. Bah écoutez, je suis très contente. Hein, voilà le make-up que j'ai pu faire. Je te reprendrai à la lumière du jour. J'ai testé enfin la palette Chupa Chups. Oui, donc je ne sais pas du tout si tu auras vu cette vidéo. Bien sûr, je vous le répète, si tu regardes les vidéos sur ton téléphone, que tu n'as pas de petit, c'est que la vidéo n'est pas sortie. Et si tu regardes, si tu me regardes sur ton grand écran, eh ben, tu n'auras pas les petits qui s'afficheront en haut de l'écran. Donc il va falloir parcourir ma chaîne et voir si j'ai édité cette vidéo. Je ne sais pas du tout. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, bah écoutez, hein, palette plutôt pas mal. C'est pas une pigmentation de fifou, mais le petit bonus qu'a cette petite palette, c'est que pour tous ceux qui sont donc sur les ingrédients cruelty free, vegan, de plus elle n'a pas de lactose et elle a elle est sans gluten. Donc pour tous ceux qui sont catégorie bio, vegan et qui ont surtout des allergies au niveau des yeux. Je pense à ceux qui ne peuvent pas se maquiller avec certains produits parce qu'ils ont des allergies sur les paupières. Bah écoutez, celle-ci, hein, c'est la première fois que je teste une palette vegan sans lactose et sans gluten. Après, j'ai pas mal de produits cruelty free, vegan, parce que Lidl fait beaucoup ce style de produit. Il y a W7 aussi. Mais là, c'est la première fois que je teste une palette sans lactose et sans gluten. Voilà. Donc, bien sûr, quand on a ce style d'ingrédients, la pigmentation est beaucoup moindre, mais je trouve, par contre, que pour les ingrédients bio, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je te montrerai à la lumière du jour, parce que là, on est sur les lumières Ring Light et Box. Là, j'ai terminé, il est 16h. Je vais aller poster les colis Vintage et le colis de Jessica pour son anniversaire. J'ai plus qu'à coller la petite fiche. Je vais ranger tout ça. Voilà, donc c'est un make-up que je ne vais pas porter longtemps parce que je vais me démaquiller à 5h30, 6h. Je suis plutôt contente. Voilà, là, je vais faire la petite photo. Donc, je vais faire la petite photo comme ça, avec la petite Chupa Chups comme ceci. Je pense que je couperai ma tête hein, et je mettrai dans un fond avec rose un peu bubblegum. Et je mettrai des petites sucettes sur le côté où je verrai bien. Ou en arrière écrit Chupa Chups, je sais pas. Je vais faire une miniature un peu spéciale. Donc là, je vais faire les photos. Je te reprendrai tout de suite pour toi à la lumière du jour et je pense que j'incrusterai cette petite vidéo dans le crash test pour que vous puissiez voir aussi le résultat dans la vidéo la lumière du jour. Et alors au niveau de la liner blanc, je sais pas, c'est pas très précis. Je ne suis pas make-up artiste ni make-up professionnel. Je suis assez habile au niveau de mes mains. J'ai toujours été depuis petite très habile. J'aime aussi beaucoup faire les choses, apprendre. Donc voilà, tout le monde n'est pas habile de ses mains, mais je suis pas non plus perfectionniste. Attention, hein, je me lance pas des fleurs, j'ai pas les chevilles qui gonflent non plus.
J'aime bien ce que je fais, je suis satisfaite. C'est pas non plus Marion Caméléon, voilà, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est plutôt bien. Juste que les fossiles, je les ai foutus à l'envers. Les fossiles, pareil, je vous en parle dans la vidéo, c'est des fossiles de chez AliExpress et je vais en recommander. Là, il y a des fossiles avec des petits papillons, il y a des fossiles pour Halloween parce que je compte faire des vidéos Halloween. Ça sera avant que je commence à travailler, donc je pense qu'il y aura une petite série Halloween au mois d'octobre. J'essaye de préparer tout ça, je vais essayer de trouver un fond aussi pour Halloween, c'est maintenant qu'il faut que je commande. J'ai vu des fossiles en forme d'araignée, des fossiles avec des papillons. AliExpress, je ne savais pas qu'ils faisaient des fossiles. Je suis tombée sur ces petits fossiles, je les ai commandés, je suis en amour. Voilà. Et je crois que je les ai payés pas très cher, donc pareil, je te mets dans le petit i, le haul AliExpress, que je pense que tu auras déjà vu, ça c'est une certitude. Et puis, je pense vous avoir tout dit. Aujourd'hui, les travaux sont finis, je vous l'ai dit. Donc, on a pu dormir ce matin. Par contre, demain, il y a le terrassier qui vient pour tout remblayer, tout mettre à niveau. Voilà. Donc, sur ce, je te laisse. Je vais te montrer mon bordel. Je vais faire les photos. Je te retrouve tout de suite à la lumière du jour. Et puis après, écoute, je vais me changer et je vais aller poster les colis. Alors voilà la lumière du jour. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai fait les traits comme ceci. Alors ouais, c'est pas très précis, hein, qu'on soit d'accord. Voilà ce que ça vaut la palette Chupa Chups. Je vais faire des petites photos là pour Instagram. Voilà, donc j'aurais pu mettre des petits strass, mais voilà. Bon. Voilà, c'est un make-up artistique, hein, voilà. Tac. Voilà ce que ça fait. Je sais pas ce que vous voyez bien. Là, je suis face à la lumière. Voilà. Bon, il est 5h30, je suis allée déposer les colis. Et donc, du coup, j'ai reçu mes deux commandes de Sephora. Et j'ai reçu une carte de mes parents. Voilà, donc je ne montre pas l'adresse. Donc ils m'ont envoyé une petite carte. Alors oui, j'ai pas mis le stabilisateur. Parce que si je mets le stabilisateur, je ne peux pas montrer les produits. Ça ne va pas faire le focus. Donc je peux pas. Donc ils m'ont envoyé une petite carte comme ceci. Donc je l'appellerai demain ma maman. Voilà, pour mes 40 ans. Voilà, donc j'ai reçu la carte, ma mère l'a envoyée le 10. Et donc j'ai reçu mes deux gros colis. C'est fort, c'est flou. Voilà, tu vois. Voilà, mes deux colis Sephora. Alors je sais pas si je pose la caméra ou je sais pas si je vais avoir une bonne luminosité sur ma coiffeuse. Je sais pas. Est-ce qu'on le ferait pas comme ça? Oui. Parce que j'ai un peu la flamingite aiguë. Allez, j'ouvre le premier carton. Je vous montrerai les produits. Et de toute façon, ben, ceux qui n'aiment pas les vlogs et qui les regardent pas, ben, le verront pas. Et pour ceux qui adorent les vlogs et qui n'aiment pas les hauls, vice-versa, ben voilà, au moins je vous aurai présenté les deux. Donc, sur les deux colis, j'ai demandé donc bien sûr un carton cadeau. Voilà, parce que j'aime bien les boîtes cadeaux de chez Sephora. Moi, je m'en sers. Donc, je sais pas comment je vais me mettre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, le deuxième carton, je n'ai pas d'emballage cadeau. Pourquoi il me semble que j'avais mis un emballage cadeau, puisque à l'intérieur, j'ai reçu donc une pochette cadeau comme ceci. J'ai reçu ma petite carte où j'ai mis joyeux anniversaire, voilà. J'espère juste que ma palette n'est pas cassée parce que alors là, je vais péter un câble. Voilà. Donc, un échantillon, je pense pas l'avoir demandé, mais bon, ils m'ont mis l'acide hyaluronique super hydratant jour de chez Sephora. Voilà. En deuxième, je n'avais pas demandé non plus. Donc, ça, c'est ma fille qui va être contente. Donc, c'est la petite robe noire de chez Guerlain. D'ailleurs, je lui ai pris chez Nox. Voilà. Et ensuite, donc, Kérastase, c'est pareil. Je ne l'avais pas demandé. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Voilà. Donc, la première chose que j'ai pris, donc, j'ai pris la palette de chez Richard. Donc, de chez Sephora, en collaboration avec Sephora. C'est la Mi Revival by Richard.
Voilà, j'espère juste qu'elle n'est pas cassée. Je vais vérifier. Voilà. Donc, je te montre juste les produits. Après, voilà, tu les verras en action. Ensuite, j'ai pris le coffret de chez Fenty Beauty. Alors, je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a donc un nettoyant en profondeur. On a donc un pore finition toner sérum apparemment qui est au top. Et on a donc l'hydratant invisible. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Donc, le nettoyant, il y a 45 ml. Le sérum, non, ouais, le sérum tonifieur, il y a 50 ml. Et pour la base hydratante, non, l'hydratant, on va y arriver, c'est 30 ml. Voilà. Donc, je voulais vraiment tester les produits de chez Fenty. Voilà. Ensuite, j'ai pris le feutre de chez Anastasia. Oui, parce que je voulais vraiment le tester. Alors, j'espère que je ne me suis pas teintée dans la couleur parce qu'ils disent que les couleurs ne correspondent pas. Donc, j'ai pris le Medium Brow. Voilà. Je ne voulais pas l'acheter parce que bah, il coûte une blinde. Hein, voilà, 26 euros un feutre pour les sourcils et pour faire ça. Ça fait mal au cucu. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais ça, c'est le cadeau de ma belle-mère. Voilà. Et donc, j'ai pris la base de chez Fenty Beauty. Ou alors, c'est celle-là. Non, ça, c'est ma commande pour avec mes sous de YouTube. Voilà. Et j'ai pris la base Profiler en 15 ml. Donc, un format voyage. Une base matifiante, puisque moi, j'ai la zone T qui est très grasse. Donc, j'ai pris ça parce qu'apparemment, ça permet au maquillage de tenir et de ne pas avoir justement la zone T grasse. Donc, j'ai pris le petit produit de chez Fenty Beauty. Donc, ça, c'est les produits que j'ai achetés avec mes sous de YouTube. Donc, je suis contente, voilà, par les échantillons que... Voilà, et j'ai trop, trop hâte de tester cette palette. Voilà, ça c'est pour la commande YouTube. Et ensuite, ben, ma belle-mère m'a donné des sous. Voilà, donc j'ai pas gaspillé en totalité. J'ai commandé aussi sur Amazon la base de NYX Marshmallow. Donc là, je vais tirer la tirette et je te montre. Là, je crois qu'ils m'ont mis les bons échantillons. Donc, ils m'ont mis Sephora. Voilà, ça je l'ai redemandé parce que je l'avais déjà eu, mais je vais faire un crash test. Alors, au niveau des teintes, c'est pas celle-ci puisque je suis allée à Sephora Saumur et j'ai demandé. Moi, c'est le 17,5, j'ai le 22, le 26, le 31. Donc, c'est un peu trop foncé. Et au niveau de l'anti-cerne, il y a le 20 et le 26. Voilà, donc, je suis contente. Voilà, parce que ça, apparemment, il a l'air plutôt bien. J'avais demandé, je sais pas si j'avais demandé le Lady Million ou pas en parfum. Je pense pas. Voilà, et le troisième échantillon, bon, ça ils me le mettent à chaque fois, je ne l'ai pas demandé non plus, de chez Dior. Voilà, c'est le capture total de chez Dior. Voilà. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, j'ai commandé des petits bonbons, comme ceci de chez Sephora, tout simplement parce que, vous voyez, mes cheveux, je ne veux plus la coupe de Playmobil. Voilà, je veux me laisser pousser les cheveux jusqu'à ici, une coupe à raies plongeantes pour essayer de faire un wavy pour éviter de voir mon double menton. Voilà, donc ceci c'est vitamine C B6, tonifie l'organisme et réduit la fatigue, complément alimentaire et ça permet aussi de fortifier vos cheveux et qui aide à la repousse. Voilà, donc moi je l'ai pris à la cerise, je crois, c'est vegan. Il y a 60 gummies, donc c'est comme ceci. Et les bonbons sont quand même assez gros. Je pense si vous allez voir. Voilà, les bonbons sont assez gros quand même. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas la cure, combien de temps ça dure. C'est vegan, arôme naturel, sans colorant artifice, fabriqué en France. Voilà. Donc moi j'ai pris cerise. Alors vous avez mangue. Mais je ne sais pas trop ce qu'il y a, et pêche, je crois. Ensuite, donc ça, c'est un petit cadeau. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ma très chère Paula, pour notre swap. Ensuite, j'ai pris le fond de teint de chez Fenty Beauty. Il est vraiment tout rikiki. La boîte est rikiki. Et pourtant, on a 32 ml. Voilà.
Donc, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir avec une main? Je ne pense pas. Je vais ouvrir tout ça avec la palette de chez Richard pour vous montrer. Et ensuite, j'ai pris l'anti-cerne de chez Sephora, qui, j'ai peur, soit un peu trop clair, avec des sous-tons un peu gris. J'ai pris le 06. Voilà, donc là, c'est l'anti-cerne, le nouveau, qu'ils ont sorti chez Sephora. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu trop clair. Mais j'avais trop envie de le tester. Et dernier produit, donc j'ai pris de la marque Olen Riksen. Ceci, voilà. Donc c'est le Fine New Balance Yole Control Cleanser. Voilà, purifie au niveau des pores. Alors purifie, nettoie les pores en profondeur. Et c'est aux huiles de graines de Margoussier et au A. HAS, si vous savez. J'ai pris ça parce que la conseillère de Sephora me l'a conseillé, ainsi que le sérum porant de chez Sephora. Voilà, mais j'ai pas voulu le prendre. Donc ça, c'est à faire, je crois, tous les matins. Et donc ça réduit la brillance et purifie les pores. Parce que si j'ai une brillance de zone T ici, c'est parce que mes pores sont trop dilatés apparemment. Et donc il faut resserrer mes pores. Voilà, ça purifie les pores. Voilà, donc j'ai pris ceci qui n'est pas donné non plus. Voilà. Donc je vais ouvrir le fond de teint et la palette pour voir si elle est cassée ou pas. Ça serait un peu cocon. Voilà. Là je vais péter un câble par contre. Et puis je vous montre tout ça. De toute façon, vous retrouverez tout ça dans un haul. Et puis bien sûr, on le crash testera. Comme j'ai eu trop peur, je croyais que la palette Richard était cassée. J'ai eu trop peur. Donc la palette de chez Richard. Comme ceci. Elle coûte pas très cher. En plus de ça, j'avais sur chaque produit moins 10%. Il faut savoir que la fille, la petite Sephorette qui était à Saumur, qui m'a renseignée, souhaitait que j'achète, bien sûr. Elle est là pour vendre, hein, la Sephorette. Et j'ai dit que j'avais un code. Elle m'a dit non, non, sur les produits Fenty, les nouveautés et tout, vous n'aurez pas de code. Eh ben oui, sur chaque produit que j'ai pris, d'ailleurs, je te l'insère juste ici, tu marques bon 10. Ça marche, tu as moins 10% sur chaque produit. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte gold. Je n'ai pas la carte gold. Je ne gaspille pas plus de 1000 euros chez Sephora parce qu'il y a d'autres sites qui m'intéressent. Et je suis quelqu'un qui fait très attention au make-up, même si pour beaucoup, certes, je le conçois, j'en ai pas mal. Mais je suis quand même quelqu'un qui regarde quand même les harmonies de couleurs. Et si je vois qu'au niveau des harmonies, des couleurs, au niveau des palettes et tout, ça ressemble, je ne vais pas acheter. Voilà, celle-ci, elle me faisait beaucoup de l'œil parce qu'elle avait quand même des teintes assez claires pour faire poudrer la paupière que je n'avais pas. Et après, d'autres couleurs qui me disaient beaucoup. Voilà. Donc, elle est comme ceci. J'espère que vous la verrez très bien. Voilà. Et des couleurs qui m'intéressaient beaucoup dans cette palette. Voilà. Que certes, on peut retrouver, mais moi, les couleurs claires que vous voyez sur le côté gauche, je n'en ai pas. Comme ça. Voilà. Bon, après, il y a un joli rose, il y a un joli orange, il y a un joli jaune. Bon, on verra bien ce qu'on va faire avec cette palette. Mais voilà, elle me faisait vraiment, vraiment envie, cette palette. Et donc, ensuite, pour finir, eh ben, le petit fond de teint de chez Fenty. Donc, celui-ci, je sais que c'est ma teinte parce que je suis allée. Donc, acheter le masque. D'ailleurs, il faut que je vous montre le masque que j'ai acheté sur Sephora quand je suis montée à Saumur. Je me suis acheté le masque. La crème démaquillante. Voilà. Donc, j'ai profité parce que je savais que, ben voilà, elle avait sorti et je voulais pas me gourer au niveau du teint. Donc, je suis allée voir tout simplement la Sephorette. Elle m'a fait tester. Et donc, moi, c'est la teinte 5 que j'ai pris. Voilà, donc il n'est pas très grand, hein, le packaging est très joli, hein. C'est du Fenty, hein, voilà. Mais on a quand même 32 ml. Voilà. Donc on dirait pas comme ça, mais oui, il y a 32 ml. Franchement, vous savez, moi, mon amour pour Fenty Beauty. J'adore Fenty Beauty. J'ai ses rouges à lèvres, j'ai sa poudre. J'adore. J'adore Fenty Beauty de toute façon. J'ai aussi la base à paupières Pro Filtre de chez Fenty. J'adore Fenty Beauty. Donc voilà, ben, je pense que c'est tout ce que je devais te montrer. Ben, j'ai trop hâte de tester. Et le fond de teint de chez Sephora, je l'ai swatché aussi sur Sephora en magasin. Et moi, il me faudrait la teinte 17,5. Je crois que je l'ai mis dans mon prochain panier Sephora. Voilà, écoutez ce que j'ai acheté. Et là, je vais te montrer juste
le démaquillant Sephora qui d'ailleurs est sold out sur Sephora au moment où j'ai commandé. Moi, il n'y en avait plus. Donc j'en ai profité quand j'étais sur Saumur. Voilà, je vais te montrer. Donc, petite pochette. Et donc, le démaquillant, je vais vous dire le prix de suite parce que je n'ai acheté que ça, hein, bien sûr. 13,99 €. Voilà, Sephora, bien sûr, hein, elle a essayé, tenté, parce que je pose des questions sur ma brillance. Alors après, elle m'a conseillé des produits aussi de chez Elephant. Mais d'abord, elle m'a quand même conseillé des produits de chez Sephora. Donc, en l'occurrence, le sérum anti-imperfection que j'ai déjà à mettre le soir et le matin, donc le sérum pore qu'ils ont sorti en nouveauté qui coûte 19,90 €. Et après, bien sûr, elle m'a proposé d'autres produits. Voilà, donc je n'ai pas acheté et j'ai bien eu moins 10% sur tous mes produits. Donc, je suis trop contente. Donc, la preuve que les Sephorettes ne sont pas au courant peut-être de tout aussi. Quoi que je pourrais travailler chez Sephora, hein. J'ai acheté donc sur Saumur uniquement le démaquillant de chez Sephora qui est donc le démaquillant fondant, nettoie et équilibre 96% des crayons naturels. Il faut savoir que Sephora s'est mis quand même à des produits naturels, vegan, cruelty free. Voilà, donc ça pour mes yeux ça va être nickel et c'est le dupe du WeFull de chez Youda. Voilà, sachant que j'aimerais bien avoir le WeFull de chez Youda. Voilà, donc c'est un 125 ml. Donc je n'ai pas testé encore et ce produit coûte 13,90 € ou 99. 99 coûte 13,99 €. Savoir que le démaquillant de chez Youda WeFull, je crois qu'il est pas loin des 35 €. Je vous mettrai la petite photo juste ici et je vous mettrai donc le prix juste en bas. Voilà, ben je pense qu'aujourd'hui ça a été très long aujourd'hui. Demain je fais la vidéo challenge, voilà. J'espère pouvoir la faire. Le courage aussi, parce que du coup il faut que je recharge. Donc mes micros, il faut que je regarde là pour recharger. Et puis voilà pour cette journée. Alors croyez-moi que quand je suis allée juste déposer les colis, donc c'est ma fille qui est descendue pour déposer les colis, et bien croyez-moi qu'il y a pas mal de monde qui m'ont regardé. Voilà. Bah oui, hein, quand t'es make-upée comme ceci, on te regarde un peu mal. Mais bon, je fais ce qui me plaît. Eh bien écoute, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que, comme je vous ai dit à plusieurs fois, est-ce que c'est waouh, c'est joli, c'est bien fait, ou qu'est-ce qu'elle a sous les yeux? Voilà. Mais je m'en fiche. J'ai envie de dire, moi, j'aime bien. J'ai pas honte de sortir comme ça. Je n'ai plaire à personne que me plaire pour moi-même. Voilà. J'aime faire du make-up artistique. Je ne suis pas pro, mais je kiffe. Voilà. Donc ça, on va le mettre dans le petit carton pour faire le haul. Il me manque juste la base NYX Marshmallow. Et puis voilà, ça sera un méga méga haul. Donc si tu l'as vu sur mon vlog, j'essayerai de le sortir, mon vlog, après d'avoir fait cette vidéo. Donc il va falloir peut-être la semaine prochaine, peut-être lundi, que je tourne cette vidéo. Voilà, pour que ce vlog apparaisse après. J'ai aussi les parfums Nox à recevoir. Voilà. Ça sera peut-être, je vous le dirai dans un prochain vlog, je sais pas, je verrai. Grosse, grosse surprise. J'attends de recevoir les parfums Nox. Nouvelle grosse surprise de chez Nox. Franchement, je l'ai dit sur Insta, c'est du lourd. Franchement, merci Nox. Franchement, vous allez avoir une opportunité de fou tous les mois. Moi aussi, tous les mois, je suis contente parce que voilà, je peux pas vous en dire plus. J'attends de recevoir pour vous en parler et voilà, restez bien connectés sur Instagram, suivez-moi parce que tous les mois c'est un truc de fou. Voilà, j'ai simplement à dire ça. Si vous aimez les parfums, si vous aimez vraiment les parfums de bonne qualité, dupes de parfums de luxe, restez bien connectés sur mon Instagram. Voilà, si je vous en parle assez souvent, je me répète, c'est que ce sont des bons parfums. Alors bien évidemment qu'il y a certains parfums qui demandent beaucoup plus de fragrance et qui peut-être ne sont pas identiques, mais la majorité de leurs parfums sont quand même de très bonne qualité. Si je vous en parle, c'est que moi j'ai pris des parfums quand même que je connais, des parfums que j'ai pris spécialement en échantillon sur Sephora pour justement
faire la différence. Voilà. Donc restez bien connectés sur mon Instagram. C'est tout aujourd'hui parce que ce vlog va être très très long. On est mercredi et il est 18h11. Donc aujourd'hui, je devais normalement tourner la vidéo challenge, mais depuis hier, ça va pas en fait. Voilà, je t'assois ma tête. Je suis fatiguée, j'ai une migraine pas possible, les douloureuses vont arriver. Et depuis début d'après-midi, un mal aux ovaires, juste pas possible. Voilà, je pense qu'en vieillissant, mes ovaires n'aiment pas. Voilà, donc aujourd'hui, ben voilà, hein, on reste à la maison, on fait pas grand-chose, donc je me suis pas trop peignée. Voilà, donc je devais tourner la vidéo challenge, mais franchement, j'avais pas envie, j'avais une migraine depuis hier soir. Ce matin, j'ai pris des Dafalgan, et puis ensuite, voilà. Les ovaires ne sont pas d'accord aujourd'hui. En plus de ça, j'avais les travaux aujourd'hui, donc les maçons ont terminé, mais je pense que je vous montrerai demain parce qu'il m'a dit qu'il termine demain. Je vais montrer juste, il y a encore les tractopelles ici, puisque les terrassiers sont revenus aujourd'hui. Pour, vous savez, au début des travaux, on avait donc un gros tas de terre. Donc là, ils sont en train de tout mettre à niveau et ils sont en train donc de remblayer avec de la castine, les fondations devant, tout remettre au propre, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer parce qu'il y a encore... donc les machines, il y a surtout le fait que ils ont dû donc enlever une plante de mon mari et les deux hommes terrassiers m'ont dit il va falloir l'arroser parce que déjà le sapin il n'a pas trop aimé hein. Je pense qu'au début des travaux, si vous avez suivi, on avait un sapin qu'on a dû donc enlever, pourtant il avait fait un gros trou mais il n'a pas du tout aimé. Voilà, bon, il va reprendre j'espère. Donc voilà, ils reviennent demain, ils finissent demain. Donc les travaux pour l'instant sont terminés. Bien sûr, il y a le portail, il y a tout à mettre pour faire les finitions, les chapeaux et tout. Mais ça fait un grand changement. Et je peux vous dire qu'au début, on avait des espèces de petits sapins et que j'avais pas l'impression que ça faisait aussi grand devant ma fenêtre de cuisine. Là, c'est vraiment nickel, c'est vraiment propre. C'est droit, c'est bien fini. Et avec les portails, les chevaux ne viendront pas chez nous. C'est terminé. Là, si le cheval, il saute et rentre chez moi, il y a des soucis. Il y a un gros souci. Voilà, sur ce, aujourd'hui, ça sera très rapide. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que j'ai rien fait. J'ai fait du montage, j'ai fait la vidéo montage où je m'étais maquillée tel un tournesol. Donc, j'ai fait le montage, elle sortira la semaine prochaine. Je pense que vendredi, je vais vous caler un haul AliExpress. Dimanche, il y aura donc un vlog. Voilà, donc de toute façon, si tu suis assez régulièrement ma chaîne... voilà, tu verras un petit peu donc les vidéos et les événements. Voilà, donc là je te montre un petit peu et puis je te montrerai le final des travaux maçons et terrassiers. Et puis après je vous remontrerai quand on aura les portails, les petites caméras et tout. Alors là déjà, je sais pas si vous en souvenez, mais on avait donc le gros tas de terre ici. Donc là, ben voyez que bon, il a aplati, il a fait de son mieux parce que bien sûr ben, il n'avait pas le matériel, il n'avait pas de pelle rotative apparemment pour faire de quelque chose de beaucoup plus nickel. Mais voilà, il m'a dit de demander à mon mari ce soir quand il va rentrer dans pas longtemps qu'est-ce qu'il en pense. Donc ce qu'il a replanté, c'est la petite plante là, je vais essayer de te la zoomer. Mais je suis pas sûre, si, la toute petite plante là que tu vois, voilà, qui était apparemment tout au fond là-bas et qui gênait, voilà, donc il lui a tout simplement replanté ici, elle est ici, et il m'a dit d'arroser. Le pin qui est au fond, ben, si vous avez suivi mes vlogs, si tu ne les as pas suivis, je t'invite à aller dès le premier, ils sont numérotés. Donc du coup, ben, le pin, il n'a pas trop aimé en fait. Voilà, il m'a dit, il n'a pas trop aimé. Bon,
On m'a dit de beaucoup l'arroser. Bon, mon mari s'y connaît en arbre, donc ça va. Et donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir que déjà, ils ont bien, bien, bien remblayé. Donc là, c'est pareil. Il m'a demandé s'il devait couper la bâche ou si mon mari pouvait donner un coup de cutter. Donc ça, bah, je le demanderai ce soir, hein, tout simplement. Et déjà, ben voilà ce qu'ils ont fait. Voilà, sur le côté. Donc ça fait beaucoup plus net. Et puis ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Donc il manque encore bien sûr de la terre au fond hein, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais il manque encore de la terre tout au fond là-bas. Là. Ici. Voilà. Après, je crois qu'il a laissé sa petite pelle devant, je crois, il n'a pas pris. Donc déjà, ça, comment vous dire que c'est beaucoup plus joli. Ça fait plaisir. Et donc là, on est donc devant. Je sors pas parce que franchement, il pèle. Il pèle vraiment. Voilà. Donc là, ben, comme vous pouvez voir, ils ont mis la castine bien au ras ici. On n'a plus les effets de trous, hein, comme vous pouvez voir. Donc tout a été bien comblé. En plus, ils ont dû enlever le compteur de l'eau. Ils ont dû remettre tout, en fait. Voilà. Donc là, il y a le petit tractopelle. Et donc du coup, bah, ils reviennent demain parce qu'ils n'ont pas fini. Voilà. Il doit encore mettre de la castine apparemment. Donc voilà. Donc vous voyez que ça fait super propre. Et que maintenant, ça ne fait pas le trou. Et que, comme vous pouvez voir, on ne pouvait pas faire un mur plus petit. Parce que, bah, vous voyez que bah, maintenant, moi je trouve que ça fait beaucoup plus grand, je sais pas. Puis ça fait beaucoup plus propre, quoi. Voilà. Et donc du coup, on ne pouvait pas faire des murs beaucoup plus petits. Parce que bah, les enfants qui vont jouer ici, ben bah, voilà, ils peuvent tomber de la murette. Hein, et c'est pas bien. Voilà. Donc du coup, je suis très très contente. Ça fait propre. Donc bien sûr, le restant, c'est mon mari qui va terminer. Hein. Il faut qu'il mette les chapeaux. Il faut qu'il mette le petit portillon qui est juste là-bas. Voilà. Et qu'il mette le grand portail ici. Il doit mettre aussi. Je sais pas, il m'a dit qu'il devait recoffrer. Les poteaux là-bas, parce que lui, il trouve qu'il y a un poteau qui est plus petit que l'autre. Mais bon, comme on a dit de rajouter ça au maçon, voilà, je pense qu'il n'a pas dû faire attention. Donc voilà, et puis j'ai ma boîte aux lettres qui est intégrée dans le mur, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, et après, bon, on pourra re-rentrer notre voiture. Comme on faisait avant, il y aura deux places devant le garage, voilà, qui restera ouvert. Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, il reste plus qu'à faire le chèque, voilà, parce que ben, les travaux sont terminés. Bon, le chef d'œuvre va venir et maintenant il va falloir donner les sous-sous. Eh oui! Bonjour, on est jeudi. Tête de cucu et de sortie. Toujours aussi fatiguée, toujours aussi mal au ventre. Je vous reprends, il est 17h30. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait mon ménage, j'ai fait quelques petits montages, j'ai discuté avec ma Paula de YouTube, voilà, donc ce matin, et du coup cet après-midi, j'ai fait les courses à Leclerc, j'ai fait donc les petites courses à Lidl pour prendre de la viande, là j'ai dit aux filles, tout ce que j'ai pris, je ne refais pas les courses avant le 26 avril. Voilà. Jusqu'au jour ben, où Laura, Maëlia reprend l'école. On s'est arrêté à Jiffy parce qu'il fallait que j'achète donc un accessoire. Je ne peux pas vous dire parce que c'est pour le swap. Donc je ne pourrais même pas vous montrer. Juste que vous le découvrirez donc pour le swap de Noël avec Paula. Donc si ça vous plaît, moi je m'en referai un autre. Donc je vous montrerai comment j'ai fait. Voilà. Donc vous verrez tout ça. Voilà, j'ai vraiment une tête de cul, mais vraiment. Aussi donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Les travaux sont enfin terminés. Donc je vais vous montrer. Comment ils ont tout bien aplati, la castine et tout, mais je crois que je vous ai montré hier, il n'y a pas grand-chose qui s'est terminé, hein, juste que voilà, maintenant tout est plat, je vous montrerai, je pense, en fin de vlog de cette semaine en musique pour que vous puissiez voir parce que voilà,
Ils ont juste comblé les petits trous qui manquaient donc de hier. Je vais vous montrer aussi. Ouh, je suis partie trop. Je vais vous montrer aussi donc des livres que j'ai achetés donc sur la FNAC que les filles ont reçus. Et je vous montrerai juste les petits accessoires parce que ça ne donnera pas d'indice. Agifi que j'ai acheté. J'ai racheté des écouteurs parce que au niveau des écouteurs. J'ai cassé les miens, j'en avais acheté à Jiffy, mais ils me faisaient mal. Et comment vous dire que les écouteurs, 5-8 euros l'écouteur, ça me faisait mal au fion. Voilà. Et il y avait un petit carton d'écouteurs, 75 centimes. Je pensais que c'était du Made in China, mais non, c'est du Made in France. Donc 75 centimes, je les ai pris. Voilà, je pense que c'est tout. Je t'ai pris pour rien, je crois, aujourd'hui, je pense. J'ai fait mes courses, oui. Je te montrerai mon frigo, il est blindé. Alors, je ne vous ai pas pris pour le rangement des courses parce que franchement, on est rentré, il était tard. J'ai mal en bas du ventre toujours. Elles vont arriver, les douloureuses. Et je pense qu'elles vont être comme le mois dernier. Je vais morfler. Demain, j'ai prévu de tourner la vidéo challenge, mais je ne suis pas sûre que je la tourne demain. Je pense que je la tournerai peut-être lundi matin. Et lundi après-midi, je tournerai ma vidéo, peut-être méga haul, qui sera sortie avant ce blog, c'est qu'une certitude. Voilà, je sais pas, je verrai bien comment je suis demain, mais là, franchement, toujours mal, très très mal au bide. Voilà, donc je vais te montrer tout ça. Et je crois que c'est tout, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Oui, c'est tout. Bon, je vais te montrer comme ça. Donc j'ai pris les petits écouteurs comme ceci. Donc les écouteurs, comme je vous ai dit, voilà, 0,75 centimes. Franchement, ils étaient jetés dans un rayon qui ne correspondait pas. Donc 75 centimes. Et c'est du Made in France. Oui. Voilà, Made in France. Tout simplement. Voilà, c'est pas du Made in China. Voilà, donc bah écoutez, hein, je suis contente. Hein. Voilà, 75 centimes en plus. Bon, ils sont simples. Hein. Ils sont blancs. Et ensuite, pour les créations, ben, j'ai pris ça. En fait, c'est dans le rayon peinture. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des paillotasses. Je ne sais pas si tu vas voir. Donc là, c'est des paillotasses grises. Et ensuite, j'ai pris des paillotasses roses. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Et ensuite, au niveau du frigo, il est blindé. Voilà, pour 10 jours, j'espère. Pour 10 jours. Voilà. Donc, on a fait la ration des yaourts, les boissons, le gruyère, le fromage. J'ai pas acheté énormément parce qu'en ce moment, on mange pas tellement de fromage. Charcuterie, nous, on n'en mange pas. Hein. Là, j'ai pris juste un fouet catalan. Ça fait très longtemps que j'en ai pas pris et Maëlia en voulait. Après, c'est que du lardon, du jambon et du jambon de poulet et des gnocchis. Voilà. Ensuite en fromage, j'en ai pas racheté. Moi, je me suis pris de l'iced tea parce que je bois beaucoup d'iced tea en ce moment. Ou de l'eau comme ceci, Salvetta, qui est très très bonne. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié d'en racheter. Ensuite à Lidl, j'ai pris. Franchement, à Lidl, ça vaut le coup. Hein. J'ai pris. Ben voilà, le bidon de lait est tombé. Voilà, c'est pas grave, je suis fatiguée. Donc, le saumon 9,90 les 650 grammes. Alors qu'à Leclerc, je paye, je crois, les 350 grammes, deux petits morceaux, 6 euros, 9,49. J'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris à Lidl? J'ai pris les petits sandwichs ici et j'ai pris deux petits hamburgers ici. Si jamais midi ou un soir le mari rentre pas parce qu'en ce moment il a pas mal de réunions visio. Donc des fois les midis ils rentrent très tard donc bah ça va très bien. Au niveau des légumes il m'en restait donc j'ai pris juste des tomates, de la salade, des poivrons, des bananes. Voilà. C'est tout. Et puis au niveau du congèle, bah, j'ai fait la razzia. Hein, voilà. Steak haché, poisson. J'ai pris des légumes, des choux de Bruxelles, j'ai pris des petits plats cuisinés. Razzia aussi au niveau des fruits et légumes, du moins des légumes congelés, parce que moi je prends que des légumes congelés. Voilà.
Donc, j'espère que là, je vais en avoir pour 10 jours. J'ai averti les filles, je leur ai dit, avant le 26 avril, je ne fais pas les courses. Et après, bien sûr, il y a les gâteaux et tout. Voilà, je ramasse mon lait. Donc, voilà pour les courses. Et après, là, j'ai pris 24 œufs. Donc, j'ai pris 2 fois 12, donc des œufs élevés en plein air, et je ne prends plus la marque Les Matines, même si ce sont les moins chers, moi je ne les digère pas. Voilà, donc c'est tout. Voilà, et puis ben, je vais te laisser parce que je n'ai plus de batterie. Ça va couper. Bon, on est vendredi 16, je crois. Je crois. Le facteur est passé et j'ai reçu donc mes parfum. Donc, je pense que je vais essayer de m'avancer un max parce qu'il faut que cette vidéo sorte avant la fin du mois. Tout simplement, je ne sais pas si je l'ai dit dans le vlog ou pas. Donc, Nox Parfum m'a contacté donc pour m'avertir que je vais être en affiliation donc tous les mois avec eux, c'est-à-dire que j'ai reçu quelques parfums que je vous ai présenté dans mes vidéos. Je suis affiliée avec Nox Parfum depuis le mois de novembre 2020. Et donc du coup, il m'avait envoyé donc des parfums la première fois. J'avais redemandé de recevoir des parfums hommes pour faire la revue. Ensuite, ils m'ont contacté pour leur deuxième anniversaire. Ils nous avaient offert 3 parfums de 50 ml. Et donc là, ils nous ont donc... ouais, à d'autres peut-être aussi que moi, affiliés, donc un énorme, énorme cadeau. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai la chance de recevoir 3 parfums tous les mois. Et chaque mois, ben, vous aurez la chance de remporter sur mon Instagram. Alors n'hésitez pas à bien me suivre sur mon Instagram, puisque tous les mois, vous aurez donc la chance de remporter un parfum de votre choix. Les mois. Alors pour ce qui est du concours, donc il y aura le premier concours au mois d'avril. Là, je viens de recevoir les parfums, donc je vais vous les montrer. Je vais vous en parler très régulièrement dans mes vlogs pour vous donner mes impressions, les nouveaux parfums que je reçois, les numéros pour que vous puissiez vous peut-être grâce à mes vlogs savoir si vraiment ils sentent pareil, parce que les parfums que je prends, c'est des parfums que je connais ou des parfums que j'ai en échantillon, que je teste, que j'aime et que je retrouve sur Nox. Donc du coup, je vais vous en parler très très souvent. Je suis très très contente. Donc pour le concours, donc chaque mois, vous aurez la chance de remporter un parfum donc de 30 ml. Comment ça va se passer? Tout simplement, je mettrai donc une photo d'un parfum. Je mettrai des conditions. Alors bien sûr, je vais pas mettre des conditions de fou. Voilà, juste ben, liker la photo, partager, mettre le hashtag de ma chaîne et le hashtag de Nox Parfum, s'abonner à Nox Parfum et puis laisser un commentaire, bien sûr, pour que ben, si vous avez la chance de remporter le parfum, de pouvoir vous contacter, tout simplement. Et donc, vous aurez aussi une autre condition, c'est de prendre la photo du parfum une fois reçu, alors soit à tête découverte. Mais si vous n'avez pas envie de faire de photos où on voit votre visage parce que votre Instagram, vous ne postez aucune photo, vous postez la photo du parfum ou vous me l'enverrez directement sur mon Instagram en privé. Et moi, je le reposterai sur mon Instagram pour montrer que vous l'avez bien reçu. N'hésitez pas à tester un petit peu et donner vos avis. N'hésitez pas à venir en commentaire me donner votre avis. Donc voilà, je suis trop contente et de gâter mes abonnés, ben je suis contente. Voilà, franchement, ils m'auraient juste proposé de vous faire profiter tous les mois de remporter un parfum, j'aurais été super contente. Donc là, j'ai pu choisir donc 3 parfums. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc super protégé, pareil, je n'ai rien à redire sur les envois de Nox Parfum. Donc j'ai reçu tout ça dans un petit carton juste ici. Voilà, je vous montre. Et à l'intérieur, on a eu donc 2 petits truc comme ceci. Donc c'est un petit, hop, je sais pas si tu vas voir, un petit magnette à coller contre le frigo, et il y a écrit Nox Parfum, la vie est belle.
Donc ça, si tous les mois j'en reçois un, ben, je pense que je vous en mettrai de côté. Voilà. Mais je pense que peut-être vous le recevrez vous aussi dans votre colis. Peut-être que c'est une nouveauté et je trouve ça trop trop bien. Les parfums donc sont arrivés. Je te montrerai comme ça. Ouais, allez, je te montre comme ça. Sont arrivés dans du papier bulle. Super bien emballé avec des petits zigouigouis à l'intérieur. Et les petits parfums, donc j'en ai eu trois. Là, tu vois rien du tout. Parce que j'essaye de cadrer comme ceci. Voilà. Donc, les trois parfums que j'ai reçus. Donc, le packaging, je vous montre, c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je reçois des 50 ml. Si vous devez commander les parfums, vous avez un code promo. Donc, qui est tout au long du partenariat avec eux, c'est Univers Lydie. Je te le mets juste ici, mais n'hésite pas à checker la barre d'infos. N'hésitez pas sur mon Instagram parce que très souvent, il y a des offres cumulables, c'est-à-dire il va y avoir la fête des mères qui va arriver, fort possible qu'il y ait un pourcentage de code moins 15%. Il faut savoir que les codes promotionnels qu'ils donnent sont cumulables avec mon code. Vous rentrez deux codes, donc ça vous fait moins 25% ou moins 20% selon ce qu'ils donnent. Voilà, n'hésitez pas à suivre mon Instagram parce que je vous poste donc les promotions sur Instagram et dans l'espace communauté sur ma chaîne YouTube. Les parfums arrivent comme ça et moi je vous conseille de prendre les 50 ml parce que pour 3 euros de plus, vous avez quand même beaucoup plus de parfums et vous en profiterez beaucoup plus. Donc qu'est-ce que j'ai pris comme parfum? Donc j'ai pris, ma fille voulait donc la petite robe noire qui est le numéro 442 et il sent vraiment pareil que la petite robe noire. Si je vous en parle, c'est que les parfums sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien. Franchement, moi, je suis pas déçue pour le prix. Je peux vous dire que j'ai des écharpes et des manteaux où j'ai mis le Carolina Herrera. Encore au jour d'aujourd'hui, j'ai pris une veste que j'ai pas mis depuis 15 jours. Au jour d'aujourd'hui, puisque ben voilà, on est enfermé à la maison puisque les enfants n'ont pas école et la veste sentait encore le parfum. Voilà. Donc le 442, c'est donc la petite robe noire de chez Guerlain. Ensuite, j'ai pris donc le numéro 2426. C'est le Guerlain de chez Chalimar qui est très 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 spécial. Donc je l'ai mis ici. Ça sent très 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 fort. C'est un parfum qui correspond aux femmes d'une quarantaine d'années comme moi. Je vois pas ce style de parfum sur une jeune de 20 ans, peut-être, hein, mais moi, franchement, c'est un parfum que je vois plus sur une femme de 40 ans. C'est un parfum très fort. Voilà. C'est un parfum où à l'intérieur, il y a de la bergamote en tête de. En tête. Voilà, vous avez compris, j'ai pas le terme. J'avais tout marqué sur un petit bout de papier. Note de tête, voilà. Il y a de la mandarine, non, fleur de bergamote. Et en tête de fond, on a de la fève de tonka. Et il me fait beaucoup penser des sous-tons au niveau de l'odeur du Chanel numéro 5. Mais attention, le Chanel numéro 5 est beaucoup plus fort, puisque dans le Chanel numéro 5, j'ai vu qu'il y avait du patchouli, il y avait de la fleur d'iris, du muguet, et moi l'odeur de muguet, je ne le supporte pas, ainsi que l'iris. Voilà, donc c'est beaucoup plus fort. Alors le Chalimar, c'est très très spécial. Hein. C'est vraiment très très spécial, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, donc j'ai pris le numéro 2429. Et le 2429, c'est le Libré de Yves Saint Laurent. Et celui-là, il sent trop bon. Alors celui-ci, pour le coup, est très fleuri. Voilà. Et d'ailleurs, c'est voilà, c'est mandarine, lavande de cassis, vanille de Madagascar, cèdre, ambre et musc. Et ah, il sent trop bon. Ce parfum, il sent trop bon. C'est mon chouchou d'ailleurs. Je pense que je m'achèterai rien que pour le packaging parce que je crois que c'est une espèce de Y un petit peu avec un serpent, je ne m'en souviens plus. Il sent vraiment pareil puisque j'ai l'échantillon que m'a donné il n'y a pas si longtemps Sephora pour le masque que je vous ai montré dans cette vidéo de mes cadeaux avec mes cadeaux d'anniversaire et il sent vraiment. Oh, il sent trop bon ce parfum, il sent trop bon. Donc je vous répète, 442, la petite robe noire, le 2426, le Guerlain de chez Chalimar, si vous êtes habitué à le prendre, et le 2429, le Yves Saint Laurent Libre. Voilà, note de tête, mandarine,
Si vous aimez les parfums un peu comme ça, mandarine, cassis, lavande et vanille, Madagascar, cerne, ambre, musc pour les têtes de fond. Et franchement, j'adore. Voilà, donc beaucoup d'informations. J'espère que vous resterez bien connectés parce que j'ai reçu les parfums et je pense que là, il est pratiquement 16 heures. J'attends que mon portable charge et je vais donc vous faire la story. Et tous les mois, vous aurez la chance de choisir votre parfum. Le gagnant qui sera tiré au sort, je le contacterai en privé. Il me donnera donc le parfum de son choix. Je remettrai donc l'adresse du gagnant à Nox Parfum et Nox Parfum vous enverra directement votre parfum à la maison. Donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram, n'hésitez pas à bien suivre les conditions. Et puis voilà, je suis trop contente parce que vous avez la chance tous les mois de remporter un parfum et voilà. Ça va rouler et en fait tout le monde aura sa chance. Voilà. Et sur ce, le vlog, je vais le clôturer aujourd'hui parce qu'il aura été long et que je suis très en retard au niveau des vlogs et que il faut que cette vidéo soit assez rapidement en ligne. J'espère que mes vlogs vous intéressent. J'espère que vous passez de bons moments avec moi. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah écoutez, on se retrouvera pour de prochaines aventures. Alors vous verrez qu'aujourd'hui, j'ai un peu les cheveux gras, mais je me suis peignée comme ça. J'avais pas envie de me peigner. En plus, il fait pas très beau. Ce matin, il y avait du soleil et puis là, finalement, ça se couvre. Donc, vu qu'on est vendredi et que le samedi, je fais mes soins capillaires et tout, je resterai comme ça. Voilà. Sur ce vlog est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.